Dans ce supermarché, c'est l'heure du nettoyage et du premier bilan après les inondations dues à l'orage. Tout ça, ce sont des produits irrécupérables ? Irrécupérables, ça a pris l'eau et tout, comme le sucre, là, tout va coller, donc invendable. Invendable, donc l'expert va passer, on va chiffrer les dégâts. Lundi après-midi, l'épisode orageux n'a duré que 15 minutes sur Cerisay, mais il est tombé 60 mm d'eau. Une vague est arrivée du haut de entre les deux HLM là et est rentrée comme une vague là sous le hall. Et voilà, il est arrivé à ce niveau-là. Chez cet habitant de Cerisay, l'eau est entrée dans plusieurs pièces de la maison. L'eau avait ressorti par la plaque à égout et puis ça a rentré dans chez moi, dans le garage. Ses affaires abîmées s'accumulent sur le trottoir. Ça, c'est le niveau qu'on a enlevé, oui. Du cagibi parce que comme tout en dessous c'était trempé, donc on a été obligé de l'enlever. Dans cette EHPAD, c'est la cage d'ascenseur qui a été envahie par plus d'un mètre d'eau, ce qui a nécessité l'intervention des pompiers. Ils ont aspiré avec une motopompe et ils ont eu du mal parce que ça refoulait des terres, donc ça remontait tout le temps. Donc ils ont passé du temps, une heure à peu près. En tout, les pompiers sont sortis une trentaine de fois sur Cerisay. Les services techniques de la mairie ont aussi été mobilisés, comme dans cette salle communale inondée. Nous, les agents, ont terminé à un peu plus de 20 heures hier au soir le nettoyage et mise en sécurité. Une demande de classement en catastrophe naturelle est même envisagée par la mairie pour obtenir de meilleurs remboursements de la part des assurances.